Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo nourrissage qui se joue sur 2 jours, enfin 3, mais bon, je vais faire aujourd'hui nourrissage de Scar, et demain, ah ben non, sur 3 jours en fait, parce que demain je nourris les geckos vu qu'ils ont mangé avant-hier, non hier, pas avant-hier, abruti, et ils sont là en plus, ils vont très bien, oui, ils vont très bien les pépères. Et d'ailleurs, attendez une seconde. Bon, bah, au moment où je vais vous montrer ça, en fait, il s'est déjà mis sur le côté. Mais voilà, donc, c'est le petit Ali. Je crois que c'est ça. C'est Ali, ton nom? Ouais, c'est ça. Avec le petit Ali, donc, lui, il va manger demain. Et après-demain, ce sera Banami, tout simplement. Mais désolé, d'habitude, c'est par là, mais là, c'est Jésus éclaté, là. J'ai les yeux défoncés. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous reprendre. Je vais aller chercher Scar. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite. Bon, je viens de tout préparer. Donc, les petits souris. Enfin, les petits souriceaux, voilà, sont là. Donc, bon, il a le nez éclaté. Donc, je sais pas pourquoi. C'était quand je l'ai pris, quand je l'ai. Voilà. Il y a une moitié de souris aussi pour lui augmenter vite fait le poids. Donc, la montée fait pas grand chose. Fait 3 grammes, je crois. Je crois que c'était ça, 3,600. Donc là, je vais me passer un coup de gel hydroalcoolique sur les mains. Je vais chercher Scar et je vous reprends tout de suite. J'avais pas là, c'est bon, là, pour la troisième fois où tu essaies d'enregistrer. Bon, bah là, je vais aller choper Scar. Donc hier, il était pas nerveux, il était tout calme. Donc là, je pense que ça va aller. Il y a ma petite qui est en train de faire des mamas. Donc, c'est parti. Bon, la logique, tu je me rapproche. Oh, je pense qu'il est en point chaud. Oh, il est là, bah, il est en 8-8-8. Il s'est mis en 8-8-8. Je sais même pas s'il a tilté que j'avais ouvert son truc. Il a grandi. Ouais, il a grandi, il a pris un peu de poids aussi. En fait, là, c'est pas le moment de me niaquer, mon grand. Maman. Voilà. Oh, je me demande s'il va pas muer, lui. Il commence à devenir plus clair et ouais. Tout. Ouais, il est mignon. On dit ça d'un serpent quand même. Il est mignon. Ouais, t'as assez agité quand même. Hein. Bah, il a faim. Donc, je reprends tout de suite, je vais l'emmener dans sa boîte. Voilà, ça y est, donc j'ai ramené Scar, donc il est là. Il est là, il est là, il est prêt à manger. Donc, j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Donc, là, je vais choper sa souris. Je vais lui donner, je vais essayer de. Je vais pas faire trop de coupures. Donc je les sors un petit peu, mais je vous ai déjà dit, je la laisse humide. Pour. Hop là. Oh, ça va vous faire mal au crâne, ça. Donc, je vais vous laisser comme ça, c'est plus simple. Je vais lui choper ça. Donc je vais lui donner déjà la souris complète. Qui est là. Donc qui a l'air pas trop mal. Et juste là, au niveau de la tronche, là, il y a une balafre. Je sais pas si c'est pas la peau qui s'est enlevée. Donc je reprends le temps de pouvoir filmer pour le nourrissage. Donc c'est parti. Donc là, espérons qu'il le prenne bien. Ça, je crois qu'il l'a vu. Pan. Il a attaqué. Regardez comment il l'a attrapé là. Pas dans ce sens-là, Scar. Pas dans ce sens-là. Prends-lui la tête, s'il te plaît. Faut que tu lui prennes la tête. Il est en train de tirer. Essaie de faire une construe sinon. On va le laisser. Hop. Je vais te laisser chercher la tête. Hop. Alors comment il va faire? Je crois qu'il a défoncé. Ah, il a explosé le ventre. La vache. Scar, ça va être compliqué par là. Ouais, non, en fait, t'as pas chopé le bon, là. Je vais le laisser manger tranquillement, et puis je vous reprends juste après. Bon, bah, je viens de passer voir Scar, et oh, j'ai une amie qui se tremble sur moi. Donc, ça y est, il l'a bien gobé, donc je sais pas si ça va faire un focus. On savait pas trop de focus. Mais ça y est, il l'a bien gobé, il est à peu près à la moitié de son corps. Et juste pour que vous voyez un peu, hein. Elle est bien, elle est très bien.
Donc voilà, je vais lui donner après, donc en attendant un petit peu quand même, lui donner le reste et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Pendant ce temps-là, bah ma petite manipulation se passe bien, elle est toujours tranquille, elle est là. Elle est très bien, elle se promène. Mais voilà, je vais vous reprendre tout à l'heure. Elle est bien là. Tu me rentres pas encore dans le maillot. Hein. Je l'adore. En fait, avec elle, on a commencé à créer une sorte de petite complicité là, que j'aime beaucoup. Je sais, faut se méfier et tout quand il s'enroule et tout ça, mais ça va, s'enroule pas, fait rien d'extrême, ça fait rien du tout. Donc voilà. Je lui donnerai l'autre bout et puis demain, donc le nourrissage des geckos et ensuite de la mémère. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite. Bon, Bascar a fini de manger. Il a pas vu de l'autre moitié de proie. Oh là là, la luminosité là. Donc il n'a pas voulu, donc je l'ai pas forcé plus que ça. J'ai attendu un peu, je l'ai laissé dans sa boîte avec la proie. Il n'en voulait pas. Donc c'est pas grave, il a peut-être pas juste l'appétit pour en fait. Donc on va attendre un peu. Donc là, il va manger dans 8 jours maintenant. Petit à petit, je le recule jusqu'à 10. Mais ça se passe plutôt bien. Nami est très contente d'ailleurs, partie se coucher. Attendez, je reprends tout de suite. Juste, regardez là. Elle est bien là. Hein? Cette petite tête là. Bon, bah c'est le jour J, on est le lendemain. Et là, je vais aller chercher les deux geckos pour aller leur donner leur bouffe. Donc, j'ai préparé les souris à décongeler pour Nami, donc mon albinos. Alors, où est-ce qu'ils sont les pépères? Bah merde, ils sont planqués où ces cons-là? Attendez, je vous fais voir. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils se trouvent. Ah, j'en ai entendu un. J'en ai entendu un, je crois qu'il y en a un là-dedans. Je sais pas si on va le voir. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Attendez. Je pars spécialement. Bon, à mon avis. Même pas. Bah zut alors. Où est-ce qu'ils sont fourrés? Excusez-moi du bruit. J'ai pas de. Ah. Non, j'ai rien dit. Bon, je vais essayer de les choper, puis je vous reprends tout de suite. Les voilà. Donc les voilà, ils étaient tous les deux dans la pierre en fait. Donc c'est génial, hein. Désolé pour les sacs. Pousse-toi, toi. Pousse-toi de là. Mais regardez, sur la femelle, au niveau de sa tête, attendez. Que ça. Vous voyez les petites traces. Alors je sais pas si c'est la mue qui commence à arriver ou si ils se sont niaqués la tronche. Attendez, hop, leur boîte, je l'ai mise là. Et hop, descends. Descends, pépère. Voilà, hop. Les mères descendent. Allez. File. Voilà. Donc là, ils sont tous les deux là. Attendez, je vais voir lequel des deux va chercher la merde là. Ouais. Méfiez-vous. Hein. Là, je regarde, j'observe et tout, mais je me méfie d'elle. De lui aussi, remarquez, mais bon. Bon, allez, je vais chercher leur bouffe et j'arrive. Oh, déjà, j'étais en train de bâiller. Alors, donc là, pour aujourd'hui, c'est les vers de farine. Pas demain, après-demain, ça sera criquet. Du coup, on va voir. Alors, lequel va le choper en premier? Donc, j'essaie de pouvoir bien cadrer et en même temps de me concentrer sur ce que je fais. Oh, bah, direct. Ça va pas, non? Tiens. Un petit bigleux. Excusez-moi, j'essaie de bien viser. Ah, ça y est, elle l'a eu. C'est une connasse, celle-là. Ouais, chic. Tiens. Voilà. Tu restes tranquille.
sont chiés les deux. Ils peuvent pas s'encadrer. Regardez ça là. Tiens, va chercher là-bas toi. Laisse-le. Tiens. Tiens, pépère. Voilà, c'est bien. Toi, t'arrêtes, toi. Hein. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous savez comment faire pour qu'ils arrêtent de se foutre sur la tronche. Je pense que je vais finir par les nourrir à part. Parce que... Ouh. C'est des conneries de merde, ces bestioles-là. Attends, c'est la pince, ça. Voilà, c'est bien. Ah bah. Excusez-moi, j'ai un appel en même temps. J'en reprends juste après. Re-excusez-moi. Alors voilà, donc il m'en reste que deux à donner là pour l'instant. Donc ça va le faire. Donc j'ai observé en même temps de l'appel. Comment il réagissait, j'ai l'impression que c'est le mâle, moi, qui cherche un peu la merde. Donc je vais voir, je vais me renseigner là-dessus. Tiens, mes mères. Voilà, c'est bien. Et toi, le pépère. Voilà. Tu le laisses tranquille, toi. Tac. Je vais fermer la petite boîte, là. Voilà. Voilà. Donc, le prochain nourrissage, ce sera Nami. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout de suite. Bon. Je viens de terminer pour les souris. Donc, je vous laisse regarder ça. Attendez. Avant qu'elle se faufile. Mémère. Mémère. Te barre pas. Regarde là. Elle va se barrer de sa boîte. Hein. Là, voilà, regarde. Je te touche là. Oh, direct. Ah, siffle là. Oh, elle siffle. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, parfait. Je vais la regarder faire en même temps, pendant que je l'ai là. Donc moi, je ne sens pas du tout la souris. Que vous puissiez voir entièrement comment elle va faire. C'est très bien. Très très bien. J'essaie de vous zoomer ça un peu. Je précise que c'est 3 jours, enfin 2 jours et demi de nourrissage. Hein. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, si vous aimez pas les nourrissages... dans toutes les vidéos que de nourrissage, il y aura marqué nourrissage dedans. Voilà. En plus, ça a bien attrapé la tête d'un seul coup. Vous voyez les muscles de sa mâchoire là. Genre je souris et tout, mais en fait je suis juste content qu'elle mange bien. C'est très bien. Désolé pour le bruit que vous entendez derrière vu que j'ai une machine à laver de lancer. Il va bientôt falloir aussi que je nettoie son terrain parce que j'ai vu deux crottes. Donc il va falloir que je les enlève. Regardez ça, voilà. Et là bientôt elle va lever la tête. Voilà, elle va commencer à lever un peu la tête pour pouvoir... Pour pouvoir la gober. Ça tremble un peu en fait, parce que vu que je suis en train de zoomer là. C'est en train de zoomer donc. Oui, Nami, elle est en train de manger. Comme toi. Elle l'a bien gobé là et nickel. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Donc là, elle l'a bien attrapé en plus. C'est parfait. Donc là, elle l'a dans la gorge. Donc là, je vais lui remettre son socle pour éviter qu'elle puisse essayer de se tirer en chemin. Tac. Et tac. Moi, j'ai mon petit paquet de bonbons à côté.
Et pendant qu'elle va digérer tranquillement, et bah je lui donnerai la reste. Là, vous n'avez pas grand-chose à part le reflet de mon téléphone. À moins que j'arrive à choper par là. T'es belle. J'ai bien mangé, moi. C'est parfait. Donc là, elle a très bien mangé. Vous voyez là, d'ailleurs, elle est en train d'onduler. Donc à ce niveau-là, elle ondule pour faire passer sa proie. Donc la proie est déjà là. Hein. Donc elle est en train d'onduler et tout, de la faire couler tranquillement. Et je vais attendre un petit peu et puis je reprendrai pour lui donner la reste. Donc en fait, je suis juste en train de les laisser essorer. Donc, tac, voilà. Donc j'ai bien regardé partout. Bon, elle a saigné un peu, mais voilà, j'ai regardé partout. Elles sont bien décongelées. Donc les âmes sensibles s'abstenir. Hein. Donc voilà, elles sont encore tièdes et tout. Donc c'est parfait. Tac et tac. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, donc moi je vais me désinfecter les mains avec ah oui d'ailleurs c'est ça que je vais vous montrer. Désolé pour le bordel de ma fille. Donc c'est ce gel-là que j'utilise. Donc ce truc qu'on trouve en pharmacie, enfin c'est hospitalier ceux-là, mais quand je vais plus en avoir, quand je vais plus en avoir, bah, j'irai en pharmacie tout simplement. Et voilà, donc la mémère est là, moi je vais me désinfecter les mains avant de l'approcher, et puis je vous fais des gros bisous à tout de suite. Par contre là je suis en train de douiller ma mère, je viens juste de mettre le gel hydroalcoolique et juste là en fait je suis égratigné. Attendez, je suis pas focus. Attendez, je vois si je peux focus à partir de par terre. Voilà, en fait là j'ai été égratigné, donc du coup ça me nique les mains, ça me défonce le doigt. Bon, je vais choper une amie, je la mets dans sa caisse et à tout de suite. Alors la mémère est juste derrière, je vais vous montrer. Elle est juste ici. Attendez que je vous montre ça. J'essaie de bien cadrer, mais en même temps de regarder où je mets mes mains. Elle s'est planquée juste là. Juste là, la fifille. Donc là, elle va manger et je la mets dans sa boîte et à tout de suite. Donc elle est là, ça y est. Donc elle est dans sa boîte, elle est pas mal excitée. Donc je lui donnais à manger son miam miam là et puis ouais, donc là c'est qu'elle va manger là. Ça y est, elle a dit ah je suis dans la boîte, ça y est je vais manger. Ça va, tu manges avec une demi-journée d'avance, c'est déjà bien, je suis gentil avec toi. Donc voilà, donc je la reprends tout de suite, vous en faites pas, une fois qu'elle aura mangé je vais faire le verrouillage, hein, je vais verrouiller là. Donc je vais aller chercher ça, je reprends tout de suite. Bon bah celle-là elle est rabougrie mais c'est une petite femelle. Ah non, pas ma tronche. Loula. Bon, là, mes mères, elle va se manger la deuxième. Regardez-la, regardez-la. Ouh, direct. Ça me surprend toujours quand t'as fait ça, je m'y attends pas. Tu fais pas de petites construites, là? Bah non, t'as fait une. Et, faut pas croire, mine de rien, elle a de la force. Elle a déjà mis les dents, c'est fini. Allez, mange. Je vais faire une connerie et mettre la pince dans ma main, moi. Bon, vous avez déjà vu pour la première souris comment elle l'a gobée, je vais pas vous montrer pour la deuxième. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je déteste parce que c'est ma caméra girl là, elle est revenue, j'ai un peu le Coucou! sourire horrible. Donc voilà, donc vous avez eu Scar, vous avez eu les geckos, vous avez elle qui est en train de bouffer Attends, il n'y a une... pas focus. Voilà, c'est Oui, il n'y a pas bon. focus. Ça faisait flou. Ah, arrête, ça fait horrible. Ouais, je sais, imaginez ma vie. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, c'était Guillaume et c'est Reptile.